Ce samedi 26 mai, Charlène de Monaco a fait sensation en combinaison vert kaki, dans les paddocks lors du 73e Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Elle envoûte les paddocks. Le Grand Prix de Monaco de Formule 1 se déroule ce dimanche 27 mai et sera diffusé à partir de 15h05 sur Canal+ et TF1. À la veille de l'une des courses les plus prestigieuses de la saison de F1, le samedi 26 mai dernier, Charlène de Monaco se trouvait dans les paddocks du 73e Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Vêtue d'une combinaison vert kaki, la femme du prince Albert II de Monaco était canon. Légèrement ouverte au niveau du décolleté, cette tenue lui donnait un côté à la fois sexy et masculin. Pour accessoiriser le tout, Charlène Lynette Whitstock de son vrai nom, portait des lunettes de soleil et des miroirs. L'ex-nageuse olympique se trouvait aux côtés de son époux ainsi que de l'ancien champion de F1 Mika Hakkinen. Décidément, les princesses de Monaco sont fans de Formule 1. Le jeudi 24 mai dernier, c'était la princesse Alexandra de Hanovre qui était apparue à l'événement sportif, accompagnée du beau Ben Sylvester Strootman. Tout sourire, les deux tourtereaux semblaient plus heureux que jamais, prenant la pose devant les objectifs des photographes. Très classe, la princesse Alexandra de Hanovre, âgée de 18 ans, était vêtue d'un ensemble pantalon et top crop rouge, à motif. Ben Sylvester Strootman, lui, portait un jean bleu, une chemise et un blazer gris clair. I think you've got